Europe 1. Bonjour la France. What the fuck? Bertrand Chameroy à Roland Garros. Ça fait combien de temps que vous avez démarré votre immersion? 21 jours. Ah bon? Ouais. Mais c'est pas possible parce que le tournoi du 15 jours, vous avez commencé lundi dernier, donc c'est le 8e jour si j'ai bien compté. Vous êtes sûr? Ouais, oui. Ça me paraît peu. Donc soit vous vous trompez, soit le temps passe très lentement. Quoi qu'il en soit, pour ce 8e jour, donc apparemment à Roland-Garros, partons à la rencontre d'une espèce présente en masse, les people. Ah, vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un people pour ceux qui ne parlent pas anglais? Bien sûr, je regarde dans mon dictionnaire alors. People, nom masculin, célébrité devant généralement sa notoriété à la télé ou à la chanson. Durant le tournoi, le people déambule des allées aux tribunes équipé d'un panama et de lunettes de soleil pour passer incognito, mais a quand même bien les boules s'il ne figure pas le soir même dans le diaporama « Pluie de people » dans les tribunes du Central, publié par Oups.fr. Exemple, je vais pas donner de nom parce que je veux pas avoir de problème, alors juste les initiales. Exemple, PPDA. Ah bah voilà, par voilà. Exemple. Ce petit point lexical refermé, entrons dans le vif du sujet. Que font les people à Roland-Garros, ou plutôt à Roland-Gratos, excellent, les concernant. Car oui, ils se font bien rincer, oui. Les petits coquins. C'était d'ailleurs le but de mon enquête, les petits cadeaux faits aux stars, mais visiblement ça n'a pas plu à tout le monde. Je commence à déranger. Dès les premières minutes, me voyant tendre mon micro discrètement pour obtenir un discours qui change des éléments de langage officiel, la sécu m'a gentiment fait comprendre que ça ne se passe pas comme ça, monsieur. On vous a grillé? Oui. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai poursuivi mon investigation sans micro en prenant des notes sur mon Moleskine tel Jack London. Tout ce que vous allez entendre est véridique, je l'ai vu ou entendu. À Roland-Garros, le people est méfiant, craintif. S'il s'approche d'un micro ou d'une caméra, c'est uniquement pour faire sa promo ou apporter son soutien sans prendre trop de risques à Raphaël Nadal. Le seul son que ne redoute pas le people, c'est celui-ci. Michel, à droite, Michel. Sorte de festival de Cannes où la terre battue a remplacé le tapis rouge, Roland, c'est le lieu où il faut être vu au mois de juin. Une fois le photocall passé, les célébrités se rendent au village, dans l'un des espaces réservés par les partenaires, les marques. Bah oui. Là-bas, le people reçoit des crèmes anti-rides ou des polos. Il dit du mal de ses confrères et se tape la cloche en s'abreuvant de grands crus sans avoir à demander l'addition. Conséquence, au même moment, sur le cours central, les tribunes présidentielles et les loges privatives sont quasi vides. C'est l'un des fléaux de Roland-Garros ces dernières années. Nombreux sont ceux qui s'en plaignent du côté de l'organisation, et je les comprends. Les invités ne viendraient pas forcément au tournoi pour la beauté du tennis, mais plutôt pour les à côté. Certains ne prennent même pas la peine d'aller faire un tour dans les gradins. Alors face à mon étonnement, une des hôtesses m'a résumé la situation avec cette phrase, je la cite. Parce que vous croyez qu'à Cannes, ils y vont pour voir des films? Non, bah ici on a les mêmes. Eh oui, alors je ne me permettrai pas de mettre tous les people dans le même panier, certains sont de vrais passionnés, et parmi eux, il en est qui font preuve de bravoure et de dévouement. Alors qu'ils sont à la tête d'une émission quotidienne à la télé ou en radio, ils prennent le temps qu'ils n'ont pas pour aller assister à des matchs de tennis tous les jours. People, vous êtes formidables. Bravo! Vous nous avez donné la peau de coulée. Les frites sont dans tout le temps. Ça m'a ému. Vous n'avez pas des petits sacs de crème anti-rides en plus? J'en ai ramené 10 cartons, mais il ne faut pas dire trop fort. Ils sont dans le bureau de Corinne Boulouche. Merci beaucoup, Bertrand. Europe.